Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais découvrir Zepeto avec vous, c'est-à-dire ma première fois sur Zepeto. Let's go! Tout d'abord, je dois créer un avatar. Alors, mon avatar, mon pseudo, ce sera Mysticious Miss. J'ai essayé tout, j'ai essayé Mysticious Paris, Miss Queen, mais tout a été déjà pris. Donc voici l'avatar, le skin de départ, mais nous, on va changer. Et je passe les détails, voilà, j'essaie de faire un avatar assez cool qui pourrait passer dans les RP sur Zepeto. Il y a un problème, c'est que j'ai aussi choisi des objets, par exemple la coiffure qui coûtait en fait des diamants et j'avais pas de diamants sur Zepeto, donc j'ai dû rechanger de coiffure pour quelque chose avec de la monnaie parce que j'ai 12 000 pièces, voilà. Donc j'ai choisi cette coiffure. On continue avec les tenues, un look que j'aime bien, le rose et le jean bleu et des baskets bien entendu. Voilà un skin vraiment qui ressemble à mon skin de Roblox. J'ai pas trouvé de couronne donc je vais juste prendre un sac. Et voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce skin. Je trouve que c'est pas mal, ça ressemble à mon skin de Roblox. Ok, du coup maintenant je vais un petit peu explorer le camping sur Zepeto. Franchement j'ai été surprise. Déjà regardez lorsque tu... c'est comme sur Fortnite. Fortnite en fait, on dirait. Dites-moi si je me trompe. Alors voici le camping sur Zepeto. Franchement c'est trop bien. Mais je me demandais un truc, c'est que est-ce que je peux avoir un serveur ou une partie privée? Voilà, si je peux jouer que avec mes abonnés. Est-ce que c'est possible ou non? Je serai comme ça dans une partie publique. Dites-moi ça aussi en commentaire. Et je trouve que c'est trop esthétique, c'est trop beau, j'adore. Là, c'est juste... En fait, vous créez des petites histoires et tout avec ce camping. Voilà, et vous avez plein d'autres environnements, thèmes à explorer. Zepeto, c'est pas juste ça, mais c'est large. Et regardez-moi ça, je suis en train de chercher quelque chose là. Et en fait, il y a cette femme déguisée en Ariana Grande. Elle est là, elle fait que de danser. Et moi aussi, je vais danser avec elle après. Mais là, pour l'instant, j'explore un petit peu. Regardez le camping-car, il est là. Et vous attrapez des papillons, vous faites, regardez-moi ça, c'est juste trop chou, trop mignon, j'adore, franchement si j'avais princesse on aurait fait un RP là tout de suite, mais sinon voilà, vous avez mon pseudo, vous pouvez m'ajouter en ami et peut-être on va jouer ensemble, et c'est trop cool, alors elle fait que de danser, vous allez voir les amis, moi aussi je vais danser avec elle, elle me fait trop rire. Voilà, ici je choisis des poses. Il y a le bothering, il y a aussi le jump picture, voilà, wouhou, hey, ha 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 ha, ho ho, elle fait que danser, eh bien elle danse trop bien par contre, moi je suis en train d'apprendre, mais les amis si vous voulez d'autres RP sur Zepeto, si vous voulez d'autres vidéos sur Zepeto, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, vous m'avez dit de tester Zepeto et je suis là en train de faire des pauses et tester ce jeu avec vous. Franchement, juste comme ça, j'aurais dit c'est trop beau. Et le skin il bouge vraiment, j'ai un petit peu du mal en fait à changer, mais sinon ça c'est on dirait trop réel. Alors elle veut me parler, cette fille veut que je discute avec elle, mais je vais refuser parce que là je suis en train de filmer, je vais juste quitter cette pièce et on va aller découvrir un autre jeu. Alors là aussi j'ai pas trop compris, il faudrait que vous m'aidiez pour celui-là aussi, c'est que je veux découvrir une Dream House. Une villa sur Zepeto, mais je sais pas où est l'accès. En fait, c'est où que tu rentres. Et ça, j'ai pas trouvé. Je découvre et sans faire exprès, ben, je teste cette maison, mais malheureusement, j'ai que la piscine. Voilà, à part ça, j'ai pas trouvé d'autre chose. Comment je rentre à l'intérieur? Il y a un grand verre. Donc, ça aussi, il faudrait m'expliquer, mais sinon, c'est trop beau. Juste comme ça, ils se sont vraiment inspirés de Fortnite, on dirait, et du thème esthétique. Vous avez une belle voiture rose, j'adore, mais je crois que il faut la louer. En gros, il faut payer, et j'ai pas de monnaie. Mais sinon, vous pouvez voir, vous pouvez créer des RP facilement.
Vous m'avez dit de tester vraiment, et là je comprends pourquoi vous m'avez dit ça. C'est trop beau, il y a même d'autres skins. Alors moi je fais un skin vraiment vite fait, mais il y a vraiment des skins en mode pro. Imaginable. Après j'ai testé un autre jeu, c'est S'échapper de l'école. Et là aussi vous allez voir, je vais galérer parce que School Escape, je suis pas très forte. Sauf dans Roblox, mais s'échapper... Dites-moi si vous avez testé ce jeu-là par contre. S'échapper de l'école sur Zepeto. Il faut trouver en fait 4 clés spéciales pour ouvrir la grande porte de sortie. Et là aussi j'ai galéré, j'ai pas trouvé de porte. Mais si tu regardes la classe, là aussi tu peux faire des RP facilement. C'est plutôt pas mal. Et je suis toute seule dans ce jeu. Regardez, j'ai que mon avatar. Et je sais pas elles sont où les clés. J'ai trouvé ce truc bleu. Je crois que si tu cliques dessus, il te montre la porte de sortie. Là, je vais cliquer dessus, ok? Voilà, il va ouvrir une porte, si je me trompe pas. Et hop, voilà. La porte est ouverte. Et du coup, maintenant, je peux explorer encore les couloirs. Il y a une boîte ici. Il y a quoi à l'intérieur? Locker. Bah, il n'y a rien. Il faut peut-être trouver, c'est ça? Ok. Il y a cette porte, on va l'ouvrir. Les classes se ressemblent. Mais aucune trace de clé. Et ça, c'est bizarre. Parce que où sont cachées les clés? Dites-moi les amis en commentaire. Parce que peut-être que je vais refaire une vidéo là-dessus et grâce à votre aide... Et dites-moi aussi si vous jouez à Zepeto. J'ai bien envie de savoir combien de personnes aiment ce jeu et combien passent de temps dessus parce que c'est énorme. Zepeto, c'est grand. Il y a tout, c'est comme Roblox en fait. T'as plein de jeux à tester. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est pareil, une autre classe. Mais j'ai tout cherché, j'ai tout fouillé. J'ai pas trouvé de clé. C'est normal? 4 clés en plus à trouver. Alors là c'est à une grande porte et je crois que c'est pour aller au deuxième étage. Ok, c'est cool, mais il n'y a pas de clé. Il faut que je clique quoi? Je cherche où? Là c'est pareil, une autre porte. Et non, toujours la boîte, je crois que c'est la même chose. Bon, les amis, vous savez quoi? Dites-moi en commentaire comment avoir les 4 clés et comme ça je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment s'échapper pour les personnes qui, comme moi, ont galéré. Merci en tout cas pour votre soutien et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Et voici donc les cadenas. Il manque plus que les 4 clés. Oh là là!